Bonjour Misa, bonjour Emmanuel. Bonjour Pascal, bonjour Emmanuel. Bonjour. Je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi en ce jour de ce dernier jour de l'année, hein, 31 décembre. C'est mon anniversaire aussi. C'est pas possible. Ah bon? Oui. C'est Waouh, ça te fait quel âge? 6. 66? Oui. Ah bon? Ah ben écoute, félicitations, hein. Bon, et Merci. tu les fais pas en tout cas. Ah, ben merci, hein, malgré tous les problèmes de santé. Eh ben tu vas nous en parler, on va aller voir ça. Et juste au moins, à ce propos, nous t'écoutons. Allez, tu peux nous exposer tes points. Oui. Donc, le premier point que je voudrais voir, c'est les problèmes de santé. Oui. Mon corps héberge beaucoup de problèmes de santé qui détruisent mon corps, qui me causent plein de problèmes. Alors, je fais un petit peu le détail. Et on a enlevé mon thymus. Et puis, on a découvert une maladie auto-immune par la même occasion, qui touche mon sang. Ça s'appelle érythroblastopénie. Et puis, 3 ans après, il y a une autre maladie auto-immune. Il s'appelle le pemphigus vulgaire muqueux. Alors, ce que j'aimerais, plutôt que de me dire les termes scientifiques qui ne m'intéressent pas du tout, tu me dis Oui. simplement à quoi ça consiste. Par exemple, ton auto-immune du sang, qu'est-ce qui se passe dans le sang? Mais ça crée une anémie profonde. D'accord. Et on est obligé, on a donné un médicament. Tu ne cites pas le nom, pas de citation de. D'accord. Oui, Ok. enfin, ce sont des Ok. immunosuppresseurs. Alors, le deuxième. Ta deuxième maladie auto-immune, c'est quoi alors? Qui touche les muqueuses, la peau et la bouche. D'accord. Oui, bouche. Ok. Et ça consiste à quoi? Qu'est-ce qui se passe alors? Ben, ça fait des lésions, ça fait des bobos. Ok. Ensuite. Et il y a une autre, bon, un petit peu plus courant, je crois, c'est hypothyroïdie d'Hashimoto qui touche la thyroïde. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a à la thyroïde? Ben, ça crée une hypothyroïdite. D'accord, Et quand, hypothyroïdie, d'accord. voilà, oui, donc Donc ça, je comprends. voilà, ça touche tout le reste du corps après. D'accord. Et pour le thymus, alors qu'est-ce qui se passe au thymus? Le thymus, il y avait une tumeur dessus. Et là, donc on te l'a enlevé? On l'a enlevé parce qu'il paraît que c'était déjà trop gros. Donc on pouvait pas. On m'a fait la grosse opération et d'ailleurs qui a créé une cicatrice kéloïde qui est très sensible. Toujours. Cicatrice sensible, d'accord. Ok. Ensuite. Il y a une autre maladie auto-immune qui s'appelle le syndrome de Gougereau qui cause une sécheresse du corps, de la bouche, des yeux. Donc c'est la même chose que la muqueuse, la peau et la bouche, c'est ça, non? Pas tout à fait. Ah bon? Pas tout à fait. C'est encore autre chose. C'est autre chose, oui. D'accord. Et il y a un autre qui s'appelle lichen planus. Moi, Donc là, ça c'est la sécheresse des muqueuses, excuse-moi. Hein, on parle de ça. Hein. On parle de sécheresse des muqueuses. c'est très de la bouche et des yeux et de la peau, tout le corps. D'accord. Il y a une sécheresse dans tout le corps. Ok. Ensuite. Il y a le lichen planus. Ça touche aussi, bon, ça peut toucher d'autres parties du corps, mais moi, ça me touche à la bouche et les ongles. Les ongles tombent. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez mon ongle. Voilà. D'accord, les ongles qui fait voir, c'est leurs ongles. Je ne sais pas. Bon, celui-là, en ce moment, bon, je suis en traitement. D'accord. Ça tombe à un moment donné. À un moment donné, tous mes ongles étaient tombés. Non, ok. Et en maladie auto-immune, c'est ça.
Et puis à cause de ces... Bon, il y a eu des problèmes entre-temps, c'est-à-dire qu'il y a eu... On me faisait aussi des traitements à l'hôpital qui mettent à zéro mon immunité. Et puis, une fois, on m'a fait un traitement, un mois après, on m'a donné un vaccin anti-grippe. Et un mois après, ça a causé une perturbation dans mon traitement pour celui du sang. Et puis, le traitement qu'on m'avait donné pour le sang, ça fonctionnait plus. Il y a eu une infection urinaire en même temps avec pyélonéphrite. Et ça fonctionnait plus. Donc, on est resté pendant 1 an et demi à me donner du sang toutes les 3 semaines. Et on essayait toujours plein de médicaments. Et après 1 an et demi, on a trouvé un, grâce à Dieu. Donc, il y a eu cette infection urinaire avec pyélonéphrite et j'ai fait 5 pyélonéphrites en 1 an. Et ça a causé aussi. Et ça, et C'est quoi des les pyélonéphrites? C'est pyélonéphrites, des c'est diarrhées, non? quand on fait des infections urinaires, ça va dans les reins et ça cause une septicémie. Ah oui. Oui. D'accord. Donc, j'étais aux urgences à chaque fois. Et pendant 2 ans là, oui, pendant 2 ans, Dieu merci, il n'y a pas eu de pyélonéphrite, mais l'infection urinaire est en continu, malgré tous les traitements que j'ai pu faire. L'infection urinaire est en continu. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es encore sujette aux infections urinaires, c'est Oui, ça? mais c'est même en continu, D'accord. c'est pas OK. par épisode, c'est en continu. OK. Et donc, ça réduit ma nourriture, j'évite de manger certaines choses qui aggravent. D'accord. Et les infections, les transfusions sanguines ont créé une hyperferritinémie, une surcharge en fer dans mon organisme. Oui. Et ça touche les organes et en ce moment, mon foie est touché. Et c'est très chargé, surchargé. Et je pense qu'il y a mon pancréas aussi et la rate. Et Bon. on prévoit de me faire des saignées parce qu'il n'y a pas de traitement. Et des saignées, D'accord. ça veut dire qu'on va me retirer du sang. Et ça craint parce que vu que le problème d'anémie, c'est délicat, alors là, on va me retirer du sang. Donc, on ne sait pas ce que ça Ouais. va dire. Bon, je ne suis pas médecin, on verra ça sur un plan énergétique et sur d'autres plans, hein. C'est sûr que le Oui. côté médical, bon, on verra tout ça, Oui. ce qu'on D'accord. peut Et puis, faire. il y a aussi, l'ostéoporose. Aussi. Oui. D'accord. Tu nous as fait une accumulation de pathologies, c'est ça? Tu nous fais un dictionnaire, non? Oh là là, et des trucs pas communs, je me demande où j'ai été chercher tout ça. Ah ben on va voir, hein. Oui. Et bien sûr, les médicaments, ça cause, les traitements, ça cause d'autres soucis de santé qui ne sont pas Bien en sûr. bon état de vivre, quoi. Ok. Pour la santé, est-ce que tu as fait le tour ou tu as d'autres choses? Bon, là, la santé, bon, ça concerne aussi mon état général. Bien sûr, Donc, oui, on a bien compris que oui. oui. Et là, je vais vous parler de mon état depuis l'enfance. Alors, Qui... l'historique, je crois pas que ce soit vraiment nécessaire, mais enfin bon, vas-y rapidement. Ah oui, donc ça veut dire que il y a un mal-être. Il y a un mal-être depuis l'enfance avec des maux de tête depuis l'âge de 8 ans. Et ces maux de tête ont empoisonné ma vie, toute ma vie, et jusqu'à maintenant, ce n'est pas terminé.
et il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans ma tête. Si bien oui. que je sens que je suis dans ma tête, je n'arrive pas à être dans mon corps. Je n'arrive pas à être ancrée, enracinée en la tête. Je me sens coupée aussi, je ne suis pas connectée au ciel. Et je me sens vraiment comme un ballon flottant. D'accord. Et je n'arrive pas à être dans mon cœur. Donc, okay. c'est encore plus difficile à gérer les problèmes de santé. Okay. Donc, je ne sais pas où je ne suis pas... je ne trouve pas ma place. Comme si je suis un extraterrestre. D'accord. OK. Et puis, voilà. Donc, avec tout ce que ça peut entraîner. Mmh. Voilà. Et puis, okay. même dans ma maison, même où j'habite, je n'arrive pas à être bien dans ma maison. Il y a toute cette... Et puis, j'ai été sujette aux sorcelleries. Donc, je sens comme mon corps, bon, c'était pire que ça, il y a mieux, mais je sens qu'il y a des entités, des énergies assez bizarres qui sont toujours dans mon corps. On verra ça. D'accord. Et qui me perturbent, je ne suis jamais bien, toujours irritée, toujours perturbée. Que ce soit dans mon sommeil, dans la nuit, je ne dors pas bien. Je ne connais pas une nuit de sommeil complète. D'accord. Voilà. Donc ces entités-là, ces énergies maléfiques-là me perturbent beaucoup. Et notamment, ce qui est plus flagrant en ce moment, c'est quelque chose au niveau de ma poitrine gauche. De mon cœur, mon omoplate gauche et le côté gauche de ma tête. Alors, c'est très douloureux, très perturbant. Et je n'arrive pas à expliquer ça au médecin parce que quand j'essaye d'expliquer, bon, on me fait faire des examens, on n'en trouve rien. Et la tête, c'est pareil. Tout le temps, je faisais des examens, on me dit, il n'y a rien dans la tête. OK. Le ventre aussi, ça bouge dedans, le côté gauche, c'est bizarre. Bon, on verra ça. D'accord. Ok. Quand tu parles de sorcellerie, tu penses que tu es victime de sorcellerie. Qu'est-ce qui te fait penser ça, en fait? Bon, la manière dont je vivais là-bas, bon, il y a cette pratique-là assez courante aussi. D'accord, parce que tu viens de la Réunion, c'est ça, ou de la Guadeloupe? Guadeloupe. La Guadeloupe, d'accord. Et c'est assez courant, ce genre de choses. Et bien qu'on n'entre pas dans ça, mais quand j'ai commencé à prendre de l'âge et je commençais à m'occuper de moi toute seule pour pouvoir m'en sortir, bon, il m'a été dit que oui, il y a des choses qui ont été faites. Et puis, on entendait ça aussi quand j'étais petite. Bon, on verra ça, d'accord. Ok, on ira voir ça. Tu as d'autres points ou est-ce que c'est bon pour toi? Bon, donc en gros, c'est ça pour la santé et l'état général. Bon, la relation avec ma mère. Qu'est-ce qu'il y a comme... Qu'est-ce qui se passe dans la relation J'ai avec ta mère? J'ai toujours ressenti une colère envers ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Bien sûr, avec tout le travail que j'ai fait, ça s'est amélioré un peu, mais c'est au fond de moi, il y a toujours cette colère, et je ne sais pas d'où ça vient. Et je n'arrive avec, j'ai l'impression que c'est ma mère vit en moi. Je ne suis pas moi, comme si moi j'ai été reniée et que ma mère s'est installée en moi. D'accord, on verra ça. OK. Et voilà, quoi. Et bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu me parlais de ta sœur, non? Pardon? Il y a aussi ta mère et ta sœur, tu m'avais dit, je crois. Non, c'était avec ma fille. Ah, ta fille? Oui, et j'ai l'impression que toutes les souffrances de ma mère sont en moi. Et qu'on vit, et ma fille aussi. Comme si ma mère, ma fille et moi, il y a quelque chose qui nous relie, mais on est relié par quelque chose de mal. Parce qu'en ce moment,
Ma mère a des problèmes de santé, j'en ai, et ma fille en a, et c'est pratiquement la même chose. D'accord. Okay. Oui, qui nous empêche de nous alimenter correctement. Donc, et ma fille, ça m'embête beaucoup parce qu'à son âge, elle a déjà plein de problèmes de santé aussi. Donc, elle a quel âge ta fille? Ma fille a 45 ans. 45 ans. Et ça a commencé un petit bout de temps. Ok, bien. Et elle n'arrive pas à faire sa vie normalement non plus. Bon, on verra ça, elle sera invitée pour la séance. Hein? D'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres points? Aussi pour mes frères, j'ai 4 frères, ils ont tous aussi de gros problèmes. Alors, je ne comprends pas d'où ça vient. Est-ce que c'est quelque chose que ma mère nous a transmis de intergénérationnel? Je ne sais Alors, pas. On les invitera pour la séance. Il y a quelque séance, chose hein. de mal qui tourne entre nous là. Et nos enfants sont touchés. D'accord. T'as l'autre point? Ma fille, comme j'avais dit, elle a eu de gros problèmes de santé à l'âge de 3 ans. Non, mais ne me raconte pas sa vie, parce que c'est ton travail à toi. Hein, parce que tu as beaucoup de points, il y a énormément de points de santé. Oui, très bien. Donc, il faut que tu me bon. Trouves les autres points, on va réduire. Hein, OK? D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre important? Après, on va arrêter. Donc, il y a un mal de transport depuis petite et qui jusqu'à maintenant. Et qui me met vraiment à plat, à être vraiment impossible de faire quelque chose, de réagir. Qui me fait un malaise, qui est impossible de réagir. Il y a quelque chose de mauvais qui arrive tous les 3 ans dans ma vie. Une maladie, tous les 3 ans, il y a quelque chose. Et puis là, justement, je suis dans le début de 3 ans, là, alors je crains. Et puis, il y a le fameux vaccin. Donc, le vaccin que tu n'as pas eu, mais que tu penses qu'on va finir par te le faire. Que les médecins me demandent de faire, oui. Voilà. Hein. Bon, il y aura les protections. Après, ça dépend d'un tas de facteurs. Hein. OK. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Bien. Au niveau des invitations, alors, qui veux-tu inviter? Eh bien, ma fille. Oui. Ma mère. Oui. Ben, mes frères et tout. Tes frères et toute ta famille, bien qui veut, oui, c'est ça? Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Les familles en général. OK. Après, parmi les amis, tu as des amis de cœur? Oui, mes amis de cœur. J'en ai pas beaucoup d'ailleurs. D'accord. OK. Le père de ta fille, non? Oui, tout à fait. Voilà. Au niveau des désincarnés, tu peux en trouver deux personnes. Deux personnes? Ouais. Eh bien, ce serait ma grand-mère maternelle. Oui. Et mon père. Et ton père? Oui, et il y a un doute de paternité, je ne sais pas. Ah, d'accord. Mais celui que je pense, que j'invite, c'est celui que pour moi, qui est mon père. D'accord. Donc, on peut dire le père de cœur, hein? Oui, oui. Donc, dans les invités qui sont encore vivants dans ce monde. Ah non, ce sont des incarnés. Hein, là. Ah, d'accord. Donc, alors attends, tu me parles de quel père là? Parce que j'ai pas bien compris. Le père officiel que tu as eu, tu penses que c'est pas ton père, c'est ça? Il paraît que c'est pas mon père, mais je ne suis pas. Alors, on invite qui? Celui que tu penses ne pas être ton père ou celui que tu penses être ton père? Excuse-moi, Pascal, on est bien dans ceux qui sont décédés là. Voilà, ouais, tu as droit à donc, deux il y a personnes. Ma grand-mère maternelle. Oui. Et il y a mon père que je crois qui est mon père. Enfin, c'est mon père de cœur. D'accord, de cœur. Bien. OK. Parfait. Alors, je te laisse couper le son et on part pour l'aventure. D'accord. Maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi,
Quelle est ta fréquence? 310. 310. Je te laisse augmenter. 35 700. 35 700. Parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Voilà, donc je te demanderai d'être vigilante. Si tu vois une anomalie, tu ne manques pas de me le signaler. D'accord? Alors maintenant, tu te connectes à Misa et dis-moi comment tu la vois. Elle est à l'extérieur de son corps. Comme si elle tournait autour, mais sans arriver à l'intégrer. Il y a une sorte de tournoiement, ça crée comme un vertige. Elle tourne autour d'elle-même, en cercle. Quelquefois, ces cercles se resserrent et elle arrive à trouver une accroche en elle-même. Mais ça ne tient pas et ça repart en cercle, qui repart donc en cercle plus large et qui l'éloigne d'elle-même. Donc, ça maintient une instabilité énergétique permanente. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à trouver le contact avec sa physicalité. Qu'est-ce qui crée cette situation? Il y a un différentiel de fréquence entre tout ce qui compose sa physicalité, aussi bien au niveau du plan physique que du plan énergétique, dans toute sa sphère énergétique, que par rapport à la nature de son essence. C'est comme essayer d'entrer dans une paire de chaussures ou dans un vêtement qui n'est pas à ta taille ou qui ne te correspond pas. Donc, même si tu arrives à intégrer ce vêtement-là ou ces chaussures-là, ça fonctionne un moment, mais pas en permanence. Et même les instants où ça fonctionne, tu t'y sens mal à l'aise et ça ne colle pas, ça ne correspond pas. Ok. Que vois-tu d'autre? Donc, elle est toujours dans cette sorte d'entre-deux et dans ce vertige permanent. Donc ça, en conséquence, ça génère une... comment dire, elle n'arrive pas à avoir une connexion terre-ciel. Elle est toujours en flottement, puisque cette connexion, elle se fait avec via la partie physique incarnée. Là, comme elle n'arrive pas à intégrer complètement son incarnation, donc elle n'a pas cette connexion terre-ciel correcte. Elle tourne autour d'elle sans arriver à rentrer à l'intérieur. Que vois-tu d'autre? C'est comme si son corps ne lui appartenait pas. C'est comme si c'était une sorte de construction hétéroclite, énergétiquement parlant, qui ne lui correspond pas, simplement. Donc, elle n'est pas toute seule, puisque chaque partie que l'on pourrait appeler de sa physicalité, mais qui comprend aussi les corps subtils, sont de fréquences différentes. Et sont en lien avec des entités différentes. Et elle observe ça avec distance, puisqu'elle ne se reconnaît en aucune partie d'elle-même. Quand tu parles d'entités différentes, d'entités différentes ou d'identités ? D'entités. Chacun des corps est habité par une entité différente, tu veux dire ? C'est pas chacun des corps, c'est des parties, c'est comme une sorte de puzzle énergétique. Toute sa partie physique incarnée est une sorte de puzzle énergétique, une construction énergétique voulue par
des entités différentes et des volontés différentes. C'est comme si elle était la résultante, enfin sa partie physique incarnée, d'une suite d'essais successifs. Elle est dans une chaîne, elle fait partie d'une sorte de chaîne d'essais successifs génétiques. Et qui est derrière cette suite d'essais successifs? Il y a plusieurs types d'entités. Il y a des grands gris, il y a des mantes aussi, et il y a des reptiloïdes, plus un autre type d'entité. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est humanoïde et ça a la peau orangée et grumeleuse, un peu comme la peau d'une orange. D'accord. D'où est-ce qu'ils viennent ceux-là? Ils sont tous là dans l'espace terrestre, dans un repli de la quatrième dimension. Ils ont créé comme une sorte de collaboration qui est en discontinu, c'est-à-dire quelquefois ils collaborent, quelquefois ils ne collaborent pas. Et ils font des, pour appeler ça des expériences, sur l'humanité, sur les êtres humains incarnés. Et ça fonctionne par génération, c'est-à-dire qu'ils prennent des lignées humaines et à chaque nouvelle génération d'une lignée donnée, il y a des éléments comme des pièces de puzzle qui sont ajoutées ou retirées par les uns ou les autres de ceux précédemment cités. Bon, alors, l'affaire est un peu corsée, vu tout le monde qui est sur elle, intéressé dans l'expérience. On va regarder sa condition d'incarnation. Alors, c'est même pas spécifiquement sur elle, c'est sur sa partie physique incarnée. Mais elle, son essence, elle se tient avec distance, et elle regarde tout ça, en fait, avec du recul, de l'étonnement, mais aussi avec cette sensation de rejet, puisque c'est impossible de trouver une unicité et une cohérence énergétique. Ok. Alors, on va voir ces conditions d'incarnation, comment cette incarnation s'est effectuée. Tu reviens au moment où l'incarnation est décidée. Elle est reliée à une sorte de corde, c'est comme si de corde ou de laisse, quelque chose comme ça, qui la renvoie automatiquement, c'est une sorte d'automatisme, toujours vers le même type de lignée. Okay. Donc, pour ces conditions d'incarnation présentes, elle a été brutalement tirée vers l'incarnation présente. Évidemment, c'est sans sa permission alors. Non. Ok. Combien est-ce qu'elle a eu d'incarnations sur Terre en tout? En tout, 31, dans cette boucle-là. 31 incarnations. Et combien d'incarnations sont dans ces conditions-là? En lien avec ces entités? 28. Ok, donc 28 prédatés. Avec toutes ou dans les premières, qui était en relation avec elles? C'est comme si à chaque, au cours des 28, il y a eu des ajouts supplémentaires. C'est-à-dire que là, il y a eu des niveaux supplémentaires de prédation à chacune des incarnations. Bon, ça fait beaucoup de monde, ça. Ok. Oui et non, parce que il y en a qui arrivent et il y en a qui repartent. Ah, d'accord. Des remplacements, etc. C'est ça. Une fois qu'ils se sont servis, qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ce qu'ils obtenaient. Qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, en fait, pardon. Donc, ils se retirent et d'autres prennent la place.
C'est ça, elle est comme là à disposition, comme un objet d'expérience dont on peut se servir. Donc ce sont d'autres qui viennent expérimenter sur elle. Bien. Alors quand tu me dis dans cette vie, donc en tant que j'oublie son prénom, Misa, voilà, pour cette incarnation, tu me dis que son corps est une construction de plusieurs, on va dire, de plusieurs entités. C'est pas une construction de plusieurs entités, c'est des modifications génétiques. Ah, ce sont des modifications. Qui ont été mis en place en termes d'expérience par les entités principales qui ont été précédemment citées. D'accord. Quel pourcentage d'ADN a été modifié ? 45. 45%. Mmh. Waouh ! C'est modifié ou c'est 45% d'ADN étranger ? C'est les deux. Alors, c'est 45 modifiés. Et remplacé dans ces 45-là, il y en a 27. Dont 27, donc, de quelle essence alors ? Il y a menthe, grand gris. Quelle proportion de menthe ? Il y a 18 de menthe. Oui. Ensuite ? Il y a 4 de grand gris et 3 de ces entités oranges à la peau grumeleuse. On les a jamais vues, ces entités oranges ? Si. Si ? Mmh. D'accord. Ok. Bien. Alors, on va regarder, avant d'entrer dans cette fausse matrice, je veux savoir d'où elle vient et sous quelle forme. Donc, je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. C'est une sorte, son énergie, c'est une énergie aventureuse, mais type tête brûlée, c'est-à-dire prêt à expérimenter tout ce qui se présente, prendre des risques, hein, même sans en mesurer les conséquences. Peu importe, puisque persuadé d'avoir cette possibilité de se sortir de toute situation. D'accord. Et sous quelle forme tu la vois ? Elle ressemble à quoi ? Humanoïde, à polarité masculine. Et elle vient d'où ? Et le corps, on dirait qu'il y a quelque chose de... C'est pas métallique, parce que c'est plus sombre. Mais c'est extrêmement souple aussi. Ça correspond à rien de ce qu'on connaît sur le plan terrestre. Elle est passée par... Il y a eu un passage par Mercure, mais assez rapide. Elle est passée par le Soleil central. Mais elle, ou plutôt il, puisque la polarité est masculine, vient d'un univers qu'on pourra appeler univers parallèle. Mmh. Il y a plusieurs univers parallèles qui sont assez similaires aux nôtres. Et c'est comme si elle s'était mis en tête de les explorer successivement les uns après les autres pour pouvoir en tester ou en expérimenter les différences. Elle vient d'une planète dans cet univers parallèle ? Oui, c'est une planète similaire à la Terre. D'accord. Elle comprend une partie 3D ? Il y a une partie 3D, oui. Mais elle ne vient pas de cette partie 3D. Elle vient de la partie 5D. D'accord. Elle s'appelle comment, cette Terre ? Il y a un X dedans. X-SO, quelque chose comme ça. X. X-SO avec un accent étrange sur le O. D'accord, X-SO. Donc, elle a une partie en 3D comme la Terre. Si tu décris-la moi un petit peu, juste pour voir à quoi elle ressemble. Est-ce que, comme la Terre, il y a des océans ? Est-ce qu'il y a de la végétation ? Oui,
Est-ce qu'il y a des animaux? Oui, ça ressemble à la Terre. C'est comme une jumelle. Ok, et dans des conditions de fausse matrice ou plutôt libre? Non, libre. Libre. Ok. Donc c'est assez en harmonie alors? Oui. Et il y a une humanité, je veux dire en 3D. Il y a une humanité en 3D, oui. Il ressemble à quoi? Ah non. D'accord. Est-ce que sur cette planète, il y a des, par exemple, des humains désincarnés qui vont s'y incarner ou pas? Ça tourne en boucle, en quelque sorte, sur cette planète-là. Qu'est-ce que tu appelles tourner en boucle? C'est-à-dire que les désincarnés de cette planète-là vont se réincarner sur cette planète-là. Ah, d'accord. Et est-ce que tu vois des terriens, donc de notre planète à nous, qui vont s'y incarner? Non. Donc c'est en circuit fermé alors. Oui. D'accord, intéressant. Très bien. Et tiens, juste pour la curiosité, elle est ronde ou elle est plate? C'est lié aux dimensions. Il y a une question dimensionnelle et de perception. Alors, si tu la regardes en 3D, tu la vois comment? La partie 3D est plate. La Mais partie 3D. dans les autres dimensions, elle n'est pas plate. Elle est ronde. Alors maintenant, je veux que tu regardes la Terre et notre En planète à nous. 5D, elle est ronde. Regarde notre planète à nous alors. Regarde la Terre. Comment est-ce que tu la vois? Puisqu'il y a des platistes et puis les autres. Est-ce que tu la vois plate, la Terre, ou tu la vois ronde? Ben c'est la même chose, c'est suivant les dimensions. Donc en 3D, elle est plate? Une partie, oui, mais tout n'est pas en 3D. Alors, j'aimerais comprendre en 3D, si on allait d'un bout à l'autre, il y a forcément une limite alors, si c'est plat. Oui, la perception change. À un moment donné, la perception change. D'accord. Et Pour donc si aller on passe. Hein. au-delà de la 3D, tu es obligé en quelque sorte de changer de dimension. On va dire désincarnation alors, tu veux dire. C'est pas dans la même forme physique, hein, exact. C'est d'autres corps qui prennent le relais. Alors, est-ce que tu veux dire que si, par exemple, on entreprenait, et bien sûr, si c'était autorisé, puisqu'apparemment ce n'est pas le cas, si on entreprenait de faire le tour de la Terre, on arriverait à C'est pas possible en 3D, c'est pas possible. une extrémité, et donc ça passerait par une désincarnation. Il y a le corps physique qui s'affaisse sur lui-même. Il y a un changement, il y a un changement dimensionnel. Il y a comme une sorte de désintégration cellulaire, quelque chose comme ça. Ça s'affaisse. D'accord. Et donc, si tu la regardes en 5D, tu la vois comment? Plate ou ronde? Comme je t'ai dit, ronde. Ronde. Donc, en fait, tout le monde a raison. Ceux qui parlent de Terre plate et ceux qui disent qu'elle est ronde. C'est une question de perspective. OK. Et qu'est-ce qui fait que. Donc, il y a des interdictions pour aller jusqu'au bout de cette Terre plate en 3D. Oui. Les interdictions par qui? Parce que cette partie 3D, elle est sous contrôle archontique. Donc cette limite, elle est imposée artificiellement par le système archontique. Est-ce que tu vois des personnes en 3D qui sont allées jusqu'à ce bout-là? Jusqu'à l'extrémité de la Terre plate Il y a en eu 3D. effondrement, il y a eu effondrement du corps physique. Et Et tu. passage en 5D, oui, mais avec l'effondrement du corps physique en 3D. Ok. Donc on est bien d'accord que lorsqu'on parle d'ascension en 5D, il s'agit de quitter bien sûr son corps physique
pour revêtir le corps en 5D. On est d'accord. Mais le corps physique en 3D est adapté pour résider en 3D. En 3D, hein, c'est comme un scaphandre, quoi. Mm-hmm. Et la 5D, ça nécessite forcément de quitter ce corps 3D. Oui, c'est d'autres. On est bien d'accord. Oui. D'accord. Bien, alors on revient à Isbert. Pardon. Donc on revient à Misa. Oui. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle est venue dans notre univers en passant par Mercure. Oui. Et qu'est-ce qu'elle est venue faire sur Mercure? C'est un relais énergétique, comme une sorte d'un... C'est une analogie, mais comme une sorte de pompe à essence. Pour prendre de l'information, c'est ça? Ou de l'énergie, non, de l'énergie, simplement? De l'énergie. De l'énergie. D'accord. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve sur Terre, dans notre espace, alors? C'est son désir d'exploration qui l'a amené jusque dans l'espace terrestre. Est-ce qu'elle connaissait les conditions de l'espace terrestre, les conditions de la fausse matrice? Non, pas dans notre univers. OK. Alors justement, quand on regarde Mercure, par exemple, si tu... il y a une partie en 3D ou pas? Non. Donc elle commence à combien? En 5D. En 5D. Donc là, tu la vois ronde. Oui. OK. Donc il n'y a que la Terre qui est plate, si tu veux, en 3D. Enfin, parmi toutes les planètes connues dans notre système. Alors, il y en a d'autres qui ont un système 3D. Tu peux les nommer? Non, je ne peux pas, parce qu'elles ne sont... C'est comme si elles étaient cachées. Leur nom est caché, leur existence est cachée. C'est comme s'il y avait plus de planètes existantes dans notre système solaire que celles qui sont connues et nommées. D'accord. Et elles sont cachées de quelle manière? Comment ça, de quelle manière? Je veux dire, comment c'est caché? C'est-à-dire que c'est dans notre système solaire. Oui, mais elles sont cachées. Il y a des portes, c'est-à-dire que les portes dimensionnelles sont fermées. D'accord. Donc elles nous sont inaccessibles. Elles sont inaccessibles à nos systèmes de détection. D'ailleurs, tout est inaccessible à nos systèmes de détection. Ce qui apparaît, ce sont seulement des images, des hologrammes. Comme la Lune, etc. quoi. D'accord. Mm-hmm. Et tout ça, ce sont les archontes qui sont derrière tout ça. Oui, ça fait partie du système de barrière de perception archontique. Et lors de désincarnation, pour les personnes qui sortent du système matriciel, est-ce que tu en vois qui s'incarnent sur ce genre de planète? De quelle planète est-ce que tu parles? De celles dont tu parles qui sont cachées, qui sont également en 3D comme la Terre, mais hors de la matrice. Oui, ça peut arriver. D'accord. OK. Bien, c'est juste pour la connaissance. Hein. C'est toujours intéressant. Donc, si on revient à Misa. Oui. Donc, elle est entrée dans notre espace de la fausse matrice, notre espace terrestre. Elle y est entrée volontairement. Oui. Elle connaissait les conditions de la matrice ou pas? Non. Qu'est-ce qui s'est passé alors quand elle est entrée dans notre espace? Il y a eu comme une sorte de choc. C'est comme si elle avait reçu la foudre, quelque chose comme ça. Et qui lui a fait perdre le sens même, comme si elle avait perdu le sens de l'orientation et la perception même de sa propre identité. D'accord, perte de mémoire, etc. quoi. Oui. Hein? Ok. Qu'est-ce qui a provoqué ce choc, cette foudre? C'est la structure même de la matrice artificielle. On parle de la fausse grille magnétique, par exemple? Oui. Hein? Ok. La première incarnation qu'elle a vécue sur Terre, c'est sous forme humaine, en 3D? Oui. Ok. Donc, reviens ici et maintenant. Oui. Voilà. Alors, si tu la scannes, est-ce que tu vois des dispositifs, des implants ou autres?
tout le long de la colonne vertébrale. Ah, mais c'est relié à ses chakras. Il y a des sortes de cercles qui sont rattachés à chacun de ses chakras. C'est une forme de contrôle à distance de sa physicalité. Qui est-ce qui les a installés, ceux-là ? C'était installé par les petits gris dès l'arrivée sur le plan terrestre. D'accord, pour le compte de qui alors ? Puisque c'est les petites masses. Oui. Il y a une hiérarchie, et au sommet de cette hiérarchie, il y a les mantes. Ah. Donc c'est les mantes qui sont décisionnaires. Ok. Bien. Qu'est-ce que ça a créé comme problème, ça ? Ah, ce n'est pas ce dispositif-là qui crée un problème en particulier, c'est l'ensemble de tout ce qui a été décrit précédemment, plus ça, qui l'empêche d'intégrer complètement sa physicalité. Donc ça vient désynchroniser toute sa biologie. Voilà pourquoi son essence ne peut pas s'adapter à cette incarnation. Mmh, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre ? Alors, au niveau de la partie physique incarnée, donc il n'y a aucune connexion tertielle. Elle est comme un ballon. C'est ce que tu as vu. Qui flotte entre deux. Les dispositifs. Mais c'est tout, en fait. D'accord. Donc, tu me parlais de reptiloïde aussi tout à l'heure, dans le panel d'entités. Oui, ils ont posé leurs pattes, en quelque sorte, oui, dans la construction génétique. Ah, donc ils font partie des pourcentages génétiques ? Pour une toute petite partie, mais eux sont surtout intéressés par les modifications, sans intervenir directement. Ils ont mis quel pour ? C'est-à-dire qu'ils n'y ont pas mis leur propre essence, mais ils ont participé aux modifications. Ah, ils ont modifié les informations dans ton ADN. C'est ça. D'accord. Ok. Bon. Alors, est-ce qu'ils ont, à part cette modification de l'ADN, est-ce qu'ils ont mis des dispositifs, eux, les reptiloïdes ? Non, ils sont reliés simplement aux modifications qu'ils ont mises en place. Donc, ça crée comme des sortes de fils énergétique. Il y a tout un système de fils énergétiques qui sort littéralement de toute sa partie physique. C'est des faisceaux de fils, comme des faisceaux de fils électriques extrêmement fins, qui sont reliés à chaque faisceau de fils à un groupe d'entités données. Ce sont les systèmes de surveillance et de contrôle. Des modifications dont ils sont à l'origine. D'accord. Donc les faisceaux de fils énergétiques, c'est les reptiloïdes qu'ils ont créés, c'est ça ? Pas que, c'est chaque... Chacun aussi. ...d'entité qui a ces groupes de fils. D'accord. Bon. Qui sont reliés à chacun des chakras ? Tu m'entends ? Il y a une coupure. Là, je ne t'entends pas. Il y a une coupure. Alors, que se passe-t-il ? Tu m'entends, là ? Il y a des coupures, je t'entends de nouveau, oui. Voilà, là, je t'entends maintenant. OK. Donc, regarde d'où viennent ces coupures. Est-ce qu'on est embêté ou pas ? Regarde d'où ça vient. Ou est-ce que c'est naturel par rapport... Ça dérange, c'est-à-dire ce qu'on est en train d'observer dérange. Alors, qui est dérangé là ? Mais toutes les entités précédemment citées. Donc, elles sont là dans notre environnement ? Oui. Tu mets une protection déjà, avant que nous les virions. Tu mets une protection pour chacun de nous, pour nous trois, et pour le matériel. Oui. Voilà.
Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre alors, à part ces fils énergétiques en faisceau? Et donc ces cercles dans chacun des chakras. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est la glande pinéale. Comment tu la vois, pinéale, pituitaire? Mais tout est affecté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... tout est construit de gangua, énergétiquement parlant. Donc, tout est affecté, la glande pinéale y compris. D'accord, puisqu'elle okay. ne peut pas trouver son équilibre dans ce déséquilibre général. Très bien. Bon, alors, est-ce que tu as d'autres choses à voir, des informations ou pas? Non. Bien. Parce que, comme on dit, tout va disparaître. Donc, regarde son ADN, en tout cas la portion qui est de son essence, confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle. Oui. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, en son nom, je vais convoquer toutes les entités vues et pas vues. Donc jusqu'au plan archiavélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix, je compte à trois, et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Il y a des entités démoniaques, en plus de celles qui ont été citées, et qui profitent en quelque sorte de cette situation énergétique déséquilibrée et instable pour se glisser en elles. D'accord. Ok, c'est comme à chaque fois, hein. Elles en profitent à chaque fois. Oui, mais là, elles entrent jusqu'au cœur même de la physicalité. Elles ne se contentent pas de rester dans l'espace énergétique et de passer entre et au travers des corps subtils. Là, elles entrent carrément dans la physicalité. Donc, tu parles de possession, là? Temporaire, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'elles entrent dans sa physicalité? C'est comme si elle n'était plus elle-même. Et ça provoque des remous, des mouvements, des douleurs, des gênes, des zones de blanc. Comme des zones de blanc. Est-ce que ça a à voir avec le fait qu'elle reproche à sa mère de c'est comme si elle était en elle? Ça, c'est des programmations, puisque sa mère fait partie de cette lignée qui est programmée pour ce type d'expérience-là. Ça, donc, sa mère, sa fille, ses frères, oui. C'est ça? Oui. D'accord, ok. Ça s'étend sur plusieurs générations et sur toute la lignée. On verra ça tout à l'heure, ok. Alors, en plus de ces êtres démoniaques, qui vois-tu d'autre jusqu'au plan archiavélique? Il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Bien. Est-ce que tu vois des parasites qui en ont profité également à l'intérieur, sur et autour d'elles? Oui. Qu'est-ce que tu vois comme type de parasite? Je ne sais pas comment décrire ça. C'est une sorte de gel gluant qui empêche les connexions correctes et les transmissions d'informations correctes au niveau biologique. Et c'est dispersé un peu partout dans le corps physique. Quelle couleur tu le vois? Transparent. Ah oui, donc c'est vivant? C'est une conscience, oui. C'est une conscience. Et qu'est-ce que ça crée comme problème, ça? À part les déconnexions? C'est ce qui vient d'être dit, ça empêche les connexions. Ça empêche le corps de fonctionner correctement. D'accord. Donc, ça ne parasite pas un système particulier comme le digestif ou autre. C'est l'ensemble de tout le système. C'est l'ensemble de tout le système, mais ça intervient plus particulièrement sur le système digestif. Ah, d'accord. Puisque c'est là où est transformée l'énergie. Donc, c'est là que ces parasites se nourrissent. C'est comme leur point de rassemblement de nourriture, et ensuite ils s'étalent et se dispersent partout dans le corps. Bien. Ok. Alors elle va déclarer à tout ce petit monde, tu vois qu'eux ou tu en vois d'autres types? Non, c'est tout. C'est tout, hein. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte,
contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les couches, dans toutes les boucles, toutes les vies, toute ligne de temps, toute fréquence, toute dimension, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, dans tous les plis et replis des espaces-temps, et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archaïque. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, donc disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Je vous un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Bien. Nous la plaçons dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire oui. Énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à son essence, fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Oui. Elle reprend de l'équilibre, de la vitalité, se restructure. Oui. Et prend conscience de qui elle est en essence, au-delà de toute forme. Oui. Comment la vois-tu à présent ? C'est beaucoup plus léger et apaisé. Dans sa sphère énergétique. Bien. Alors, par curiosité, comment réagissent ces entités qui perdent la main ? Il y a de la colère. Il y a l'énergie de la colère qui remue beaucoup et qui est assez puissante. Très bien. Ils ont le droit. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'ils prennent des dispositions pour le futur. Oui, ils sont en train de bloquer, d'immobiliser, de bloquer, de boucher les autres lignes de temps. Très bien. Alors, tu vas les bloquer eux-mêmes dans cette action. OK ? Oui. Trouve les moyens de les bloquer, chacun d'eux. Figé, oui. Voilà. Maintenant, tu vas ouvrir un portail. Ils ont déjà été virés, mais de là où tu les vois, il faut les revirer encore. Sur un autre plan de réalité encore. On est OK ? Oui. Donc, on ouvre un portail et on les vire tous. 1, 2, 3. Une deuxième fois. C'est fait. Voilà. Regarde si maintenant, ils sont encore accessibles dans ces futures lignes de temps et sur dans sa propre réalité. Non. Il ne reste plus rien ? Non. Très bien. Alors maintenant, tu vas la scanner. Et tu vas regarder sur toutes les fréquences, à l'intérieur et à l'extérieur de sa bulle, s'il reste quelque chose quelque part. Oui, il reste comme des... Ça vibre, comme des sortes de mémoires traumatiques qui vibrent, qui sont là en arrière-plan. Alors, on les vire. 1, 2, 3, comme précité. C'est fait. Regarde s'il reste quelque chose. Non, c'est bon. Il n'y a pas d'écho et de résonance ou de réminiscence ? S'il reste des résonances encore. Voilà. Allez, on les vire également. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que tu vois d'autres choses ? Non. Bien. Alors, donc maintenant, on va regarder comment tu la vois globalement maintenant ? Apaisé. Bien. Alors, tout a disparu, on est bien d'accord, même au niveau des parasites. Il n'y a plus rien. Parfait. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir sur quel plan il réside et dans quelles conditions.
Il est pas sur le plan Moranciel. Il est sur le plan archiavélique et c'est comme s'il s'était diffracté, tu sais, ou séparé en plusieurs. D'accord, morcelé, tu sais, quoi. Tu sais, comme plusieurs feuilles de papier. Mmh. Ok, qu'est-ce qui a provoqué comme ça? Comme plusieurs images de lui-même. Mmh. Qu'est-ce qui a provoqué cette situation de diffraction, de se retrouver sur le plan archiavélique? C'est sa volonté d'expérimenter simultanément dans plusieurs univers les mêmes. Des copier-coller des mêmes expériences. Mais c'est comme s'il s'était perdu lui-même dans cette volonté-là. Dans cette intention, il est descendu lui-même sur le plan archiavélique pour expérimenter toutes ces expériences? Non, c'est une conséquence. Ah, c'est une conséquence. D'accord, ok. Bien. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est morcelée. Je peux pas la percevoir en une seule fois. Mmh. Elle est sur plusieurs plans en même temps. Elle est morcelée et dispersée. Ok. Et sa partie subliminale? C'est la même chose. Elle est morcelée aussi, comme une sorte de... Tu sais, comme quand il y a une explosion et qu'il y a un éclatement avec des morceaux épars. Mmh. Et qui sont donc dans plusieurs dimensions différentes. Oh. Oui. Combien est-ce que tu as de parties? Multitude. Multitude. Bon, ok. Alors, donc, puisque le sens supérieur est sur le plan archiavélique et dans cette position où il ne peut pas prendre de décision, je vais donc prendre des décisions pour lui. Nous allons donc partir du plan Moranciel pour créer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, donc dans l'unité, dans un équilibre parfait, une parfaite intégration de sa physicalité et dans l'amour qu'elle est. Donc, je compte à trois et on y va. 1, 2, 3. Oui. De cet espace Moranciel, je suppose qu'elle sait pourquoi nous sommes là. Oui. Alors, je lui propose d'aller à l'oreille de son incarnation, donc en tant que Misa, pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf dans l'unité, un équilibre parfait, une parfaite intégration dans sa physicalité, dans tous ses corps, et dans l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est OK pour elle? Oui. Alors on y va en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition de la fausse matrice. 1, 2, 3. Oui. Bien. Alors à présent, donc dans ces nouvelles conditions et sur cette nouvelle ligne de temps, quels sont ses projets pour la vie? Donc, de Misa. C'est expérimenter la condition humaine sur cette, plutôt dans cet espace terrestre-là, libre, pour pouvoir en apprécier chacune de ces facettes de cette expérience humaine. Incroyable. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? Juste après la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là, à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Alors, je veux que tu me dises tous les dysfonctionnements, tout ce qui ne permet pas un équilibre parfait, une intégration parfaite et l'expression, manifestation et expansion parfaite de chacune des âmes. Son arbre généalogique, c'est comme s'il était sous contrôle, sous expérience.
C'est comme s'il avait été fabriqué ou conçu précisément pour mettre en place des expériences sur les consciences incarnées. Mmh. Ok, donc c'est okay. Ce que tu as vu tout à l'heure. Hein. Oui. Donc on ne va pas y revenir et ça crée des conséquences qui ont été vues également. Oui. Pour chacune des âmes. On dit ok. Oui. Bien. Donc, adresse-toi à la conscience de l'arbre et demande-lui si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Parfait. Alors, on va aller directement à l'origine de cette situation. La toute première fois, toute première origine, je compte à trois et ton esprit t'y emmène. Un, deux, trois. Il a été créé de toutes pièces dans cette intention-là. Mmh. Donc, quand je remonte à la toute première fois, c'est la création de l'arbre. Il a été créé par ces entités. Il n'y a pas de avant. Okay. Il a été créé. Donc, créé de toutes pièces par ces entités. Oui. Ok. Bon, donc ça veut dire que tu ne peux pas trouver un moment où cet arbre a été libre à un moment donné. Non, il y a des. C'est comme s'il y avait des morceaux épars qui avaient été assemblés, comme un jeu de Lego. Mmh. Tu as des pièces de Lego qui sont assemblées dans une intention donnée. D'accord. C'est la première fois qu'on rencontre ce genre de configuration, bien sûr, mais j'estime qu'il y a toujours une solution à tout. Regarde, donc tu peux demander à l'arbre si... Alors attends, voilà, c'est complètement inédit. Hein. Puisqu'on ne peut pas trouver un moment où l'arbre a été libre, entièrement libre, puisqu'il est créé de toutes pièces, est-ce que tu peux inviter l'arbre à trouver une solution pour se libérer de cette situation et prendre une autonomie, tout en retrouvant une unité et donc une intégrité parfaite. C'est comme s'il fallait mettre en place une concertation entre les différentes parties qui forment cet arbre, puisqu'il n'y a pas d'unité dans l'arbre. Tu veux dire les différentes consciences qui forment cet arbre ? C'est ça. Cette disharmonie a été dans l'arbre a été créée artificiellement. Bien. Alors, est-ce que tu peux faire en sorte que toutes ces consciences se réunissent et se concertent pour prendre la décision d'une libération, d'une unification et bien sûr d'une indépendance? Oui. Ok. Elles se sont concertées. Oui, mais c'est houleux. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la même chose que si une décision commune doit être prise dans un groupe d'humains, il y en a toujours qui... Oui, qui sont réfractaires. Qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, qui ne sont pas d'accord. Ou... C'est la même chose. Ok. Alors, bien sûr, puisque nous travaillons pour Misa, quelle meilleure solution tu vois pour que Misa trouve maintenant un équilibre? Est-ce que on peut vraiment travailler sur cet arbre ou c'est pas la solution et tu vois d'autres voies? On ne peut pas travailler sur la globalité. Oui, puisqu'il y a des parties qui ne sont pas d'accord. Mmh. Alors, est-ce qu'on peut réunifier les parties d'accord et ça représente quel pourcentage? 53%. Très bien. 53% qui sont OK. Oui. Donc, pour les 47% qui restent, est-ce qu'ils sont tous dans le même avis, je veux dire, avec les mêmes objectifs? Non. Ils partent tous dans des directions différentes. Bien. Qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir tous, ces 43%?
sur quoi regarde un point sur lequel ils seraient tous d'accord. Il n'y en a pas. C'est comme s'il y avait une sorte de brouillage électromagnétique sur chacune des pièces de puzzle qui composent ces 43%. Bien. Bon, on ne peut pas dire que c'est... Exactement 47%. Oui. On ne peut pas dire que les 53% qui sont OK peuvent se désolidariser et devenir indépendants. Non. Ce n'est pas possible. C'est comme si on demandait à une personne de... OK. Bon, alors qu'est-ce que tu vois qu'il est possible de faire en ce qui concerne donc Misa? Est-ce qu'à la limite, c'est de couper carrément avec cet arbre? Oui, c'est possible. Voilà. Ce serait couper à 100% ou pas? Elle peut garder 5% d'appartenance comme une sorte de point de repère. OK. Est-ce qu'elle peut inviter ceux qui sont proches d'elle, comme sa mère, ses frères, sa fille, etc., à faire la même chose ou pas? Non, ils sont tous dans des dispositions différentes. Ils font partie des consciences réfractaires, c'est ça? C'est très embrouillé. OK. Donc, on va s'occuper de Misa. Oui. Donc, dans ces cas-là, elle va couper avec son arbre, donc des 95. Chaque conscience est vraiment dans une dynamique différente, même pour ceux et celles que tu as cités. Ah oui, c'est la première fois qu'on voit ça. Bien, OK. Donc, on s'occupe de Misa. OK. Oui. Donc, tu l'invites à couper avec son arbre dans les proportions que tu as dit. Oui, c'est fait. Bien. Donc, elle a coupé avec 95%, c'est ce que tu as dit. Oui. Bien. Regarde quelles sont les conséquences pour elle. Regarde là, ici et maintenant. Un problème de structuration. C'est-à-dire il y a comme cette sensation d'être perdu. Parce que ces 5%, c'est... à la limite insuffisant. C'est tout ce qui la relie à sa filiation, à sa lignée, à sa culture, à son appartenance, à tout ce qui... à toute sa personnalité même, depuis son arrivée dans l'espace terrestre, depuis le début de cette incarnation. Donc, pour compenser, elle doit se relier directement à sa propre source. OK. Alors qu'elle le fasse. C'est fait. Bien. Elle crée l'équilibre entre la source et sa partie incarnée. Oui, c'est venu se stabiliser instantanément. Parfait. Donc, dans ces conditions... Le fait qu'elle ne conserve que 5%, pour elle, ça devient acceptable et c'est équilibré. C'est correct. Bien. Regarde maintenant quelles sont les conséquences. Qu'est-ce que les conséquences dans sa physicalité, dans ses autres parties? Quels sont les effets bénéfiques? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui bouge? Ça vient équilibrer et apporter une stabilité énergétique. Très bien. Alors, elle va... Donc, est-ce que tu vois qu'il est... Elle peut même pas enrouler son arbre comme je fais d'habitude. C'est même pas la peine. Hein? Donc, on va rester là. Mmh. OK. Donc, c'est correct pour elle. Est-ce que tu vois autre chose à faire par rapport à ça? Alors, c'est enrouler, non pas toute la lignée, mais 5%. Ce qu'elle a créé pour elle. Avec et qui comprend ces 5% intégrés dans sa reliance à la source. OK, alors qu'elle le fasse, qu'elle l'enroule
avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source, jusqu'à sa propre source. C'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Bien. Alors maintenant, on va regarder son ADN. Alors, on a dit qu'il y a 45%, je crois, hein, d'ADN modifié. Hein. 45. 45. Et dont 27%. Enfin, c'est ça, en fait. Bon, bref. Alors, c'est un peu compliqué parce que je suppose, est-ce que tu vois qu'il est possible de supprimer tous ces pourcentages d'ADN qui ne sont pas issus de son essence? Non. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire là, ici et maintenant? Adapter. Est-ce que tu vois qu'on peut en supprimer une partie ou pas du tout? Non, ce serait trop déstabilisant. Alors, est-ce que tu vois qu'on ne peut pas refaire un ADN à neuf alors? Non, il faut adapter. Adapter. Est-ce qu'elle peut le faire maintenant? Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle fait pour adapter cet ADN? Elle aplanit. C'est comme, tu sais, dans le bâtiment, quand tu poses une nouvelle chape sur un sol irrégulier pour aplanir et unifier. C'est un peu la même chose. D'accord, allons-y. Est-ce qu'on peut dire que par cela, elle peut conserver les qualités de chacune des essences incluses sans les défauts? Oui. C'est cela? Oui. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que ça peut enrichir son humanité? Oui. Dans ces conditions-là? Oui. D'accord. Allons-y. C'est fait. Bien. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices d'ADN, d'hélices, pardon, présentes, combien sont connectées et activées? Il y en a 4 de connectées et 2 d'activées. Elle peut activer les 2 autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également. Quelle différence ça fera pour elle? Ça vient stabiliser cette base nouvellement installée. Bien. Tu me dis quand c'est fait? C'est fait. Nous allons éliminer à présent les programmes art quantique et les programmes de l'intelligence artificielle. Tu vois que c'est possible dans ces conditions? Oui. Très bien. Alors, tous les problèmes de limitation, séparation, dualité, déséquilibre, etc. Est-ce qu'elle est OK pour s'en débarrasser? Oui. Alors, on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Et elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. À présent, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? ?75%. Alors, tu l'invites à monter à 100% tout en vérifiant ses racines. Oui. À présent, elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, dans son unité, dans un équilibre parfait, dans une parfaite intégration, dans une créativité illimitée, et dans l'amour qu'elle est. Oui. Voilà. Comment la vois-tu? Stable. Sereine. Alors, elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise.
C'est fait. Et à présent, nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles et toutes les couches. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Parfait. Je vais conseiller à Misa d'être pleinement présente et participative pour tout le processus, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite également les personnes qui verront cette vidéo, puisqu'elles la verront, d'en profiter pour elles-mêmes également. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, alliance, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que celles précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous allons procéder à l'élimination des programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie maintenant s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Les mantes, qui sont généralement spécialistes, n'ont gardé rien du tout de l'ADN ou autre, de son matériel. Non, c'est d'autres versions, mais ce n'est pas elle. D'autres versions, c'est-à-dire ? C'est des versions d'ADN modifiées, mais qui ne correspondent pas à elle, ou plus à elle. D'accord. Donc, il y en a quand même quelque part. Oui, mais c'est... C'est vraiment modifié. Mais même si elles sont modifiées, il y a quand même une part qui reste de son essence ou pas du tout, du tout. C'est comme une photographie. C'est pas vraiment son essence, c'est comme une photographie. Voilà. Et si on l'éliminait quand même, il y aurait des conséquences ? Non. Alors on élimine. 1, 2, 3. C'est fait. Regarde s'il reste quelque chose. Il n'y a plus rien. Parfait. Alors maintenant, nous intégrons tout cela dans ces différents états de conscience. Oui. Elle déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de son canal, de tous ses canaux de perception, de tous ses corps et de son essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de sa propre source. Enfin, de ma propre source, puisque c'est ce qu'elle déclare, et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler la partie psychologique. Donc, si tout ne concerne pas Misa,
Tout y est proposé. Elle fera le tri elle-même. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le « je » dans la forme n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. « Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, etc. » Oui. « En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. » Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, d'autant plus que maintenant, je suis libre. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare « De mon plan humain, et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. » Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et que j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. Maintenant, elle déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité
et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. Vérifie à présent s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archaïoliques, ou tout autre moyen de la repérer. Il n'y en a pas. Parfait. Alors elle va entrer dans son corps, dans tous ses corps, comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi lorsque c'est fait. C'est fait. Bien. Elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, nettoyages, auto-guérisons, etc. de tous ses corps, sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Installer un programme anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un autre contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle. Oui. Donc là, ça comprend toutes les substances qu'elle a prises en ne conservant que ce qui lui est juste et utile. On est d'accord? Oui. Bien. Un autre contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Et enfin, un contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et pérennisés, c'est-à-dire indestructibles. Oui. Qu'ils soient en même temps adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes de temps. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. Et à présent, elle crée son code de vie et l'active également. C'est fait. Tu stabilises, sécurises et pérennises. Oui. Nous travaillons maintenant sur l'atlas et la colonne vertébrale. Donc pour
chacune des parties, je vais d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif, etc. sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Et que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, structure, vitalité, substance. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde tourbillonnante, puissante, dorée. Elle vient englober tout son espace physique et énergétique. Elle vient se stabiliser en un espace sécurisé, à haute fréquence. Elle vient se placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente. Arrive à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées, des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source jusqu'au chakra coronal. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille dans le détail et dans le global de chacun d'eux, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage et tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Système endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, nous éliminons toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. C'est fait. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux, organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. Oui.
À présent, c'est l'ostéopathie générale, au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça crée des vibrations dans tous ses tissus, dans tous ses organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules. Dans chaque muscle, tendon, cartilage, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel équilibre. C'est fait. Micro-kiné. Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient de déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Stabilis securis pyrénis. Oui. À présent, le système des chakras et des glandes associées. Je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilis securis pyrénis. Oui. À présent, nous allons travailler à l'équilibre et à l'harmonisation des 5 éléments. Nous allons commencer par l'élémentaire. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Éther. Oui. Bien, tu stabilises, sécurises et pérennises. C'est fait. À présent, nous travaillons sur le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, elle rééquilibre les polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Parfait. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Donc, sur les points de santé, il y a énormément de choses. Donc, on va déjà faire un travail global. D'accord ? Dans toute sa physicalité et tous ses corps. Donc, tu vas chercher tous les dysfonctionnements, tous les traumatismes, toutes les programmations, les habitudes de fonctionnement, les traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, etc. Tu fais l'inventaire de tout. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Bien, on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Que chacune des parties concernées soit réinformée et stabilisée. Oui. Connecté au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, structure, vitalité, substance. Oui. Et à son essence pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité par son élémental. C'est fait. On stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Donc, on va regarder maintenant point par point. Elle a une tumeur au thymus, donc qui lui a été enlevée. Voilà. Donc, on ne va pas chercher les pourquoi et les comment, puisqu'on a vu tous ces dysfonctionnements, c'est par rapport à tous ces cette construction de sa physicalité. Regarde par contre au niveau de sa cicatrice,
donc qui est toujours sensible. Regarde qu'est-ce qui peut être fait maintenant sur cette, à ce niveau-là. Un apport d'énergie vitale. Ah, mais avant, il y a des couches de traumatisme. C'est ça qui rigidifie. Voilà. Et qui rend douloureux. Alors, regardez, est-ce qu'il n'y a que des traumatismes ou d'autre chose? Un traumatisme avec des résonances et des échos. Bien. Alors, on élimine tout ça. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Très bien. Alors, le fait que le thymus lui a été enlevé, est-ce que tu vois que ça crée des dysfonctionnements et est-ce que ça peut se compenser? Oui, ça peut se compenser par un apport d'énergie vitale équilibrant et qui vient comme remplir l'espace et remplacer. C'est comme annule et remplace, ça vient prendre la place et ça vient effectuer les liaisons énergétiques. Tu veux dire que ça vient s'équilibrer. Il y a une installation d'un thymus énergétique, c'est ça qui remplace le thymus physique? Oui. Avec toutes les connexions? Mmh. Allons-y. C'est fait. Très bien. Donc, déjà, on va pérenniser ça. Hein. Stabilise, sécurise et pérennise pour que ce soit durable dans le temps. Oui. Voilà. Au niveau de la cicatrice, est-ce que tu vois d'autres choses qui restent à faire? Non, c'est bon. Très bien. Donc, stabiliser, sécuriser, pérenniser. Oui. Au niveau de cette maladie auto-immune, donc du sang, hein, qui crée une anémie profonde. Oui. Voilà. Donc, on ne va pas chercher les pourquoi et les comment, puisque tu as d'autres réponses que celles qui ont été vues ou pas. C'est ce qui a été vu tout à l'heure. Voilà, donc on va dire tous les dysfonctionnements, ce sont des conséquences de la situation qu'on a vue. Hein. On est d'accord? Oui. Bien. Oui. Alors donc, maladie auto-immune pour le sang, pour les muqueuses. Voilà. Regarde ce qu'on peut faire au niveau du sang. Là aussi, alors là, ce n'est pas des traumatismes, c'est plutôt comme des zones de blanc. De non-information qui empêche les liaisons correctes et la constitution correcte du sang et de sa circulation. D'accord. Au niveau des organes producteurs de sang, de tout ce qui est relié au système sanguin? Mais c'est surtout l'ensemble, en fait. Mais ça vient d'être fait. C'est surtout l'ensemble de la physicalité qui a le rééquilibrage à faire. Il y a juste ces zones de blanc qui restent au niveau D'accord. du système sanguin. Tout a été fait. Si on regarde le foie, la rate, le pancréas, tout est réinformé. Oui, quand tu as demandé de faire sur l'ensemble de la physicalité, ça s'est Parfait. Fait à ce moment-là. Bien, je préfère vérifier. Ok, donc en ce qui concerne le sang lui-même, tout c'est blanc. Donc tu vas réinformer toutes les zones blanches et les stabiliser. Oui, c'est fait. Connecté au chakra cardiaque, cœur de Gaïa, essence. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Comment est-ce que tu vois son sang maintenant? En termes de qualité, de fluidité, etc. Maintenant, c'est correct. Très bien. Au niveau des muqueuses, est-ce que ça a été travaillé avec ou... Donc, pour la peau, la bouche, etc. Il reste quelques rééquilibrages à faire et une liaison, des liaisons qui restent à faire avec de l'eau primordiale. Très bien. Alors, avant ces rééquilibrages, est-ce que tu vois des choses à éliminer? Des habitudes de fonctionnement, des traumatismes avec leur résonance. Ok, on élimine tout ça. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Donc, tu procèdes au rééquilibrage. Donc, c'est quoi ces systèmes endocriniens qui produisent ces muqueuses? Ça y participe, oui. Oui, on va dire que tout ce qui est en lien avec ça. Hein. Donc, que tout soit rééquilibré, refaire des connexions si nécessaire. Oui. Et que tout le réseau soit donc connecté à l'eau primordiale. Oui. Voilà, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, graine de vie et double hélice activée. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise.
Oui. Comment est-ce que tu vois ça maintenant, son système lymphatique? Il y a besoin d'un coup de booster par de l'énergie vitale. Allons-y. C'est fait. Très bien. Donc, en ce qui concerne cette maladie auto-immune de sécheresse des muqueuses, de la bouche, des yeux, du corps, etc., est-ce que c'est ce qui vient d'être travaillé? Oui. Bien. Au niveau de la thyroïde, hypothyroïdie, avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois qu'il y a des choses à faire? Un coup de booster spécifique. Rien n'est nettoyé? Ah, il reste quelques traces traumatiques avec leur résonance encore. Ok. Alors, on élimine tout ça. 1, 2, 3. C'est fait. Besoin de réinformer? Oui. Allons-y. Réinformer, stabilise. C'est fait. Et maintenant, tu procèdes à l'équilibrage de sa glande thyroïde et en même temps de toutes les autres, qu'elles soient toutes reliées et en parfait synchronisme. Oui. Très bien. Tu vois d'autres choses à faire? Non, c'est bon. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Bien, le fait qu'elle ait donc les ongles qui tombent, voilà, la bouche, le problème de bouche et des ongles qui tombent, ça vient d'où ça? C'est des désynchronisations, mais c'est directement lié à ce qui a été évoqué tout à l'heure. Est-ce que ça a été fait ou pas du tout? Il reste encore des mémoires traumatiques avec des échos à éliminer, des réinformations à faire et un apport d'énergie vitale. Bien, donc on élimine tout ça. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Réinforme chacune des parties concernées et stabilise. Oui. Apport d'énergie vitale. Oui, c'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Bien. Alors, donc, tous les traitements donc, qu'elle a reçus, qui sont encore en cours, avec ce qui a été dit tout à l'heure, est-ce que tu vois que ce qui est nuisible a été éliminé ou transmuté? Oui. Oui, d'accord. Ok. Inflammation urinaire, infection urinaire, avec septicémie, tout ça. Comment est-ce que tu vois son système urinaire maintenant? Il s'est stabilisé, mais il reste encore des empreintes traumatiques qui restent comme collées là, avec des résonances et des échos. Alors, on élimine tout ça. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, que toutes les parties soient réinformées, stabilisées. Oui. Connectées au cardiaque, cœur de Gaïa, essence. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et on va inviter son élémental à s'occuper de chacune des parties qui ont été traitées et les autres qui n'auraient pas été vues éventuellement. Il s'occupe de tout, réinformer, rééquilibrer dans la physicalité. Oui. Bien. Comment tu vois son système urinaire maintenant? Est-ce que tu vois encore des infections ou pas? Non, là tout est correct. Très bien. Donc, pour le sang qu'elle a reçu, bah, ce sera traité tout à l'heure, hein, dans la suite du protocole. Le fait qu'il y ait des nourritures, qu'elle ait une nourriture réduite. Bon, est-ce que tu vois que tout ça va s'équilibrer pour elle maintenant? Oui, ça va s'équilibrer, étape par étape. Ok. Donc, elle aura donc les informations, les sensations de ce qui convient et ce qui ne convient pas? Oui, au cours de la métabolisation. Très bien. Donc, le foie touché, pancréas, rate, donc tout ça, tu confirmes que tout est rééquilibré maintenant? Oui. Tout le système digestif et métabolique? C'est rééquilibré aussi. Il n'y a plus de traumatisme, plus rien, du fait de ces parasites-là?
C'est pas des traumatismes, c'est il reste quand même des, mais c'est des mémoires qui sont restées collées là, mais pas forcément traumatiques, mais qui ont en tout cas ont leur résonance et leurs échos. Très bien. Donc là, on va pas que le système, on va dire digestif et métabolique, tu fais l'ensemble du corps puisqu'il y en avait partout. D'accord? Oui. Alors on élimine tout partout. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. Voilà, que chacune des parties soit réinformée et stabilisée. Oui. Connectée au cardiaque, cœur de Gaïa, essence. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Stabilise, sécurise, pyrénise. C'est fait. Bien. Au niveau de son système osseux, ostéoporose, est-ce que tu vois qu'avec ce qui a été fait, vois-tu d'autres choses à faire par rapport à ça? Tout s'est équilibré. Un apport d'énergie vitale dynamisant pour pérenniser la situation énergétique présente. Ça, c'est possible. Est-ce que tu vois qu'il est possible d'ensemencer des cellules souches dans son système osseux? Oui. Bah allons-y. C'est fait. Est-ce que tu vois des choses à éliminer? Non, c'est bon, ça a été éliminé déjà tout à l'heure. Très bien. Donc tu me dis qu'il restait à faire quoi? Rééquilibrer? Un apport d'énergie vitale dynamisant pour pérenniser la situation actuelle énergétique. Allons-y. C'est fait. Donc tu pérennises, stabilises et sécurises. Oui. Bien, autre point. Donc, depuis l'âge de 8 ans, elle a des maux de tête. Regarde, qu'est-ce qui lui arrivait? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'à partir de 8 ans, elle a eu ses maux de tête jusqu'à maintenant? Morcellement énergétique. Ça vient impacter sur la circulation d'énergie dans la physicalité. Alors, avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois que tout est régularisé? Vois-tu des choses à faire? Lisser. C'est une énergie lissante et équilibrante qu'il faut apporter à ce niveau-là, dans la zone, dans cette zone-là. Alors, allons-y. C'est fait. Regarde le système neuronal avec toutes les connexions et le système nerveux central. Tout est correct. Tout est correct. D'accord, très bien. L'énergie, l'information circule bien. Oui, ça s'est lissé, organisé, fluidifié avec l'apport d'énergie vitale. Bien, donc les choses bizarres qu'elle avait dans sa tête, ben c'est tout ça. Tu vois d'autres raisons ou pas? Non, c'est ce qui a été vu tout à l'heure. Bon, je ne trouve pas ma place, etc. Ben, elle comprend pourquoi maintenant. Le fait qu'elle ne se sente pas bien dans la maison, regarde s'il y a un lien avec la maison ou si c'était elle-même. Non, c'est lié à sa situation énergétique. Très bien. Elle aurait subi de la sorcellerie. Regarde si c'est vraiment le cas ou si c'était simplement des conséquences de sa situation. C'est les deux. Donc, il y a eu des actes volontaires sur ce plan-là, mais parce que c'était facile. C'est comme si elle avait été une proie facile, un terrain d'expérimentation facile. C'est la vulnérabilité. C'est ça. Donc, les deux sont en cause. Ok, bon. Regarde s'il reste quelque chose sur cette nouvelle ligne de temps, de tout ça. Plus maintenant. Il n'y a plus rien, hein, ce qui est normal, mais bon, on vérifie. Le fait qu'elle ait un sommeil perturbé, regarde, à quoi est-ce que c'est dû? Désynchronisation de la glande pinéale. Est-ce que tu vois que ça a été rééquilibré ou pas? Il y a quelques parties qui sont... terminé en termes de réinformation. Est-ce qu'avant ça, tu vois des choses à éliminer? Des habitudes de fonctionnement, traumatisme et résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3.
Oui. Voilà, on réinforme et on stabilise. Oui. Donc, connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Un apport d'énergie équilibrante et de vitalité. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Vérifie maintenant si sa glande pénéale et toutes les autres parties d'elle, y compris l'élémentale, sont bien reprogrammées, ont retrouvé des fonctions normales dans le cycle veille-sommeil. Oui. Ok. Tu vois autre chose à faire? Non, c'est bon, tout est correct. Très bien. Donc, le fait qu'il y ait tout son côté gauche, omoplate, poitrine, tête douloureux et jusqu'au ventre, c'était dû à quoi? Parce que le côté droit et le côté gauche étaient désynchronisés. Et le côté gauche directement relié aux programmations des entités qui agissaient sur la lignée. Est-ce qu'il reste quelque chose de ces programmations? Il reste des mémoires et des traumatismes avec leur résonance. Ok, on élimine. 1, 2, 3. Oui. J'aimerais que tu regardes son cerveau droit, cerveau gauche. Est-ce que les deux maintenant sont en bonne communication, équilibrés, etc. C'est équilibré maintenant, l'information circule. Parfait. Est-ce que tu as d'autres choses à faire? Non, c'est correct. Bien. Autre point, relation avec sa mère. Voilà, bon, quand elle dit qu'elle ressent une colère envers sa mère, ou elle pense que sa mère vit en elle, bon, et à ce qui a été vu, hein, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à le fait qu'elle ressente elle-même cette colère? Oui, ce sont des. Donc, le fait qu'elle la ressente en elle, ce sont des programmations, mais c'est directement lié à la programmation de la lignée. Il y a des programmations qui se dupliquent de génération en génération. Donc, ça crée ce type de sensation. La colère, c'est une réaction de rejet par rapport à cette situation d'incarnation-là. Bien sûr. Donc, de son côté, elle a un peu mal interprété dans la croyance que c'est sa mère qui est la source du problème. Non, sa mère n'est pas la source du problème. Oui, c'est ce que je dis. Elle l'avait mal interprété. Donc, ok. Alors, pour sa fille, c'est pareil. Oui. Voilà. Donc, elles seront toutes invitées, tout le monde sera invité pour faire le travail. Hein. Chacun sera libre de le faire ou non. Voilà, chacune sera invitée. Ses frères également. Hein. Bon, on a vu. Le mal de transport. Qu'est-ce qui fait qu'elle a du mal de transport, regarde. Parce qu'elle n'est pas centrée. Pas de connexion tertielle. Elle flotte entre deux. Donc le fait de ne pas être centré crée un déséquilibre intérieur. Et par conséquent, ça génère ce mal des transports. Est-ce que tu vois que tout ça est réglé maintenant? Maintenant, oui. Est-ce que tu vois des choses qui restent à éliminer? Des habitudes de fonctionnement. Avec des... Ouais, c'est des empreintes, en fait, des empreintes de fonctionnement qui restent, qui sont de nature traumatique et leur résonance. Bien, alors on élimine tout ça. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Que chacune des parties concernées soit réinformée, stabilisée. Oui. Connectée au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Un apport d'énergie, vitalité. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. On va faire un saut dans le futur. Tu vois, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. Tu la mets dans un avion ou dans un car ou dans quoi que ce soit, je veux savoir comment tu la vois dans un transport. Comment elle se sent? Ça reste stable. Mmh. C'est neutre. Très bien. Et regarde sa physicalité, comment ça se passe? Mais tout est correct et stable. Alors, je veux qu'elle prenne le temps de le ressentir, de faire la différence entre avant et maintenant. Et qu'elle, tu me dis, qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Elle est dans l'appréciation de ce bien-être.
dans le vécu de ce moment-là. Bien, qu'elle prenne le temps de le ressentir et de l'apprécier alors encore plus. Oui. Elle le ramène ici et maintenant et réinforme chacune des parties d'elle. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, toutes ses parties. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Bien. Alors, autre point, elle voit que toutes les 3 ans, il y a des choses mauvaises qui lui arrivent, selon ses dires. Qu'est-ce que tu vois de ton côté? Quelle information tu as par rapport à ce regard qu'elle a? C'est lié aux programmations de la lignée. Programmer c'est... que tous oui, les 3 ans, il se passe quelque chose? Oui, c'est des programmations. Et c'est des programmations en arrière-plan qui ont été mises en place de façon à ce que, dans un phénomène de co-création, c'est elle-même qui crée ces cycles par 3. D'accord. Alors, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose de ça? Des habitudes de fonctionnement, des traumatismes et des résonances. Bien, il n'y a plus de programmation quelque part. Comment? Il n'y a pas de programmation quelque part. Dans son système nerveux central, il reste des traces de programmation encore. Conscience cellulaire? Oui. Neuronale? Aussi, oui, système neuronal. Alors, on élimine partout où ça se trouve. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors, on réinforme et on stabilise. Oui. Connecté au cardiaque, cœur de Gaïa, essence. Oui. Apport d'énergie, vitalité. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Voilà. Bon, on va regarder son corps mental. Je veux que tu me dises quelles sont toutes les programmations limitantes et les croyances qu'elle a développées à partir de ça. Il y a comme une sorte de blackout sur le corps mental, quelque chose de sombre qui l'empêche de percevoir les choses correctement. C'est comme si le corps mental était placé dans une sorte de tunnel noir et dans lequel elle avance à tâtons. Toutes ses perceptions sont modifiées. Quelles sont les croyances qu'elle a développées à partir de ça, les croyances limitantes? Qu'elle est obligée de continuer à avancer dans l'incarnation avec les éléments qu'elle a et les perceptions qu'elle a, puisque de toute façon, elle ne peut pas faire autrement, qu'elle est obligée de subir. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'en pensent toutes ces autres parties, avec tout ce qui a été vu, entendu, compris, intégré? Ce ne sont que des programmations limitantes de la perspective où elle les perçoit maintenant. Elle perçoit bien que ce ne sont que des programmations qui ne font pas partie intégrante d'elle-même. Est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Oui, il y a des habitudes de fonctionnement avec des empreintes traumatiques et leur résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, je veux que tu reviennes sur l'ancienne ligne de temps et que tu regardes son corps émotionnel, toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cette ancienne situation. Il y a de la dévalorisation d'elle-même, mais c'est une conséquence, en fait, de ses programmations et de ses croyances. Ça génère de la tristesse, de la souffrance émotionnelle, de la frustration, de la colère aussi. De la colère, mais qui est là en réaction, puisqu'elle n'arrive pas à se sortir de cet emprisonnement qui est à la fois mental et émotionnel. Donc ça fait perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de fuite d'énergie. Et
comme un sentiment d'impuissance aussi, de petitesse et d'impuissance. Bien, on va regarder maintenant au niveau des 5 blessures principales, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, lesquelles sont prédominantes chez elle et comment s'expriment-elles ? Elle se sent rejetée, seule et abandonnée dans l'incarnation, avec le ressenti de l'injustice de ces conditions d'incarnation-là. La sensation de sa partie physique incarnée, d'être trahie par son soi supérieur, de la laisser seule et abandonnée dans ces conditions-là d'incarnation. Et le ressenti de l'humiliation aussi, d'avoir à supporter toutes ces conditions d'incarnation-là sur le plan physique. Elle a mis en place un système de fonctionnement pour résister, réduit. C'est comme si elle s'était amputée d'une partie d'elle-même, auto-sabotée d'une partie d'elle-même pour pouvoir créer comme une sorte de protection rigide tout autour d'elle, comme qui la carapaçonne, quelque chose de dur, d'épais, de rigide, qui lui permet de garder le contrôle sur une partie de sa vie, du moins sur les parties qu'elle peut contrôler. Et c'est ce qui lui permet de continuer à avancer dans l'incarnation. Mais en même temps, ça la coupe de son soi divin, de ses capacités divines, en partie. Est-ce que c'est bon ? Mm-hmm. Bien sûr, là, il s'agit de l'ancienne ligne de temps, pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais, quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose ? Il reste des habitudes de fonctionnement, des empreintes traumatiques et des résonances. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Bien. Alors, nous allons faire quelque chose que nous n'avons pas fait jusqu'à présent. Je vais t'inviter à regarder... Tu sais, le professeur Fourtillon a trouvé une substance qu'il a inclue dans les patchs qui ont des effets apparemment guérisseurs. Donc, cette fameuse substance de la glande pinéale, qu'il appelle, je crois, la valentonine, mais peu importe le nom qu'on lui donne, j'aimerais que tu regardes en ce qui concerne donc Misa. Regarde sa glande pinéale et vois cette fonction qui active donc cette valentonine. C'est une fonction d'équilibre, c'est comme un équilibrant général. Puisque il a créé donc ce patch pour le sommeil et aussi apparemment ça guérit énormément de choses. Et c'est pour ça que des actions ont été menées contre lui. Est-ce que tu vois que cette glande la produit ou pas ? Est-ce qu'il y a besoin de stimuler cette fonction ? Elle se stimule en fait naturellement dans l'équilibre, dans la mise en équilibre général de la glande pinéale. Très bien. Alors est-ce que tu vois que là, elle est en action et dans un parfait fonctionnement ? Oui. Est-ce que tu vois qu'il y a besoin d'un petit coup de boost ou pas ? Oui, c'est possible, oui. Alors, allons-y. Un coup de boost. C'est fait. Est-ce qu'on peut le stabiliser, sécuriser, pérenniser ? Oui. Allons-y. C'est fait. Voilà. Donc, c'était juste ça que je voulais faire essayer. Hein. Voilà. Donc, maintenant, je veux que tu regardes sur cette nouvelle ligne de temps. Enfin, que tu regardes, je veux plutôt qu'elle prenne conscience de sa connexion avec la source par son intention et son attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, dont elle ressent toutes les connexions avec la source.
Oui. Et c'est comme si chacune des cellules s'éveillait, s'enflamme, vibre, rayonne, irradie, pétille. Oui. Et également, chacune des particules de son corps, de tous ses corps, à l'intérieur, sur et autour d'elle. Oui. Comment se sent-elle maintenant? Comment la vois-tu? Apaisée, tranquille, sereine et dans l'appréciation de l'instant présent. Bien. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir d'autre? Du plaisir. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir pleinement, de le savourer, de l'apprécier, c'est une clé importante. Oui. Elle va installer une programmation selon laquelle chaque fois qu'elle en aura envie, besoin, donc elle pourra ressentir cet état. Donc même s'il est permanent, elle le ressentira pleinement. Oui. Et elle va l'installer également dans toutes ces bulles de réalité, dans toutes ces bulles de création, quel que soit le domaine, qu'il soit familial, matériel, professionnel, financier, enfin dans toutes ces bulles de création, que chacune d'elles soit reprogrammée de cette énergie, de cette conscience, de ses ressentis. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise. Oui. À présent, nous allons repartir de la source. Je veux savoir comment elle vit cet événement que nous appelons communément la séparation, qui se vit très généralement par beaucoup d'humains, en tout cas d'êtres qui se séparent de la source, comme un traumatisme. Comment est-ce qu'elle le vit, elle, dans cette nouvelle situation? Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de garder toujours présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine. Quel que soit son type de manifestation, quel que soit son type d'incarnation, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et dans cette vie, donc en tant que Misa? Elle ressent de la pétillance, de la joie d'anticipation, du plaisir d'anticipation devant toutes ces possibilités d'expérience, d'incarnation, de manifestation qui se présentent là devant elle. Qu'elle prenne le temps de le ressentir pleinement et de l'apprécier totalement. Oui. Elle le rajoute à sa programmation. Oui. Et elle ramène tout ça ici et maintenant, comme un téléchargement, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. Oui. Et elle se ressent dans sa pleine souveraineté, dans un équilibre parfait, libre, autonome, unifié. Oui. Dans sa puissance intérieure, sa créativité illimitée. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, partout où elle se trouve. Oui. Celui de sa propre valeur, quels que soient les choix, quels que soient les résultats. Elle sait que tout est juste, tout est apprentissage et que tout est à sa valeur. Oui. Et elle ressent pleinement l'amour qu'elle est, l'amour inconditionnel. Oui. Elle passe par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs, chacune d'elles jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme oui. de cet amour inconditionnel et de tout ce qu'elle est maintenant. C'est fait. Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Bien. Voilà, donc c'est le moment des invitations. Donc, elle invite sa fille et son père, sa mère, ses frères, sa famille en général, tous ses amis de cœur. Oui. Voilà. Tout le monde est là? Oui. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et leur propose de profiter de cette opportunité. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Ok. Alors, est-ce qu'ils acceptent tous un petit coup de pouce avant de commencer? Oui.
Alors, puisqu'ils me cèdent donnent leur accord, en leur nom, je vais éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, échos, résonances, réminiscences, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, dans tous les plis et replis d'espace-temps et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. Je compte à trois et tout disparaît pour tout le monde. Un, deux, trois. Oui. Chacun se place dans une bulle christique de protection, secret des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait donc Misa pour elle-même, adapté bien sûr chacun à sa propre situation. Oui. Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre ? Oui. Ok. Maintenant, on va regarder au niveau de sa grand-mère, donc des désincarnés, sa grand-mère maternelle. Je veux savoir sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Elle est dans une forme géométrique. C'est bizarre. C'est une sorte de carré ou de cube. Elle est comme stockée là, bloquée là, dans l'astral. Bien. Tu peux communiquer avec elle ? Oui. Alors tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie. Et demande-lui si elle veut un coup de main. Oui. Alors puisqu'elle veut un coup de main, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Touchée en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle ? Elle monte en fréquence, ce qui permet, ça s'efface, ça disparaît, cette forme géométrique-là dans laquelle elle était enfermée, ça disparaît, ça s'efface, du fait qu'elle change de fréquence, qu'elle monte. Bien, demande-lui maintenant ce qu'elle veut faire, est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute liberté, autonomie, souveraineté, sécurité ? Monter à la source. Alors pour ça, tu dis qu'il est nécessaire qu'elle récupère toutes ses énergies laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y avait à couper. Elle se libère et elle libère tout et tous. Oui. Est-ce qu'il reste quelque chose ou pas ? Non, il n'y a plus rien. Demande-lui avant de remonter si elle veut s'exprimer, dire quelque chose à celle qui a été sa fille. Non, sa petite fille, pardon. Il n'y a pas de mots en particulier. Il y a l'énergie du remerciement et de l'amour universel. Elle lui envoie une vague de cette énergie-là, puissante, légère, pétillante. Et puis elle remonte. Nous la saluons. Oui. Et maintenant, j'aimerais que tu regardes celui qu'elle a nommé son père de cœur. Sur quel plan tu le vois ? Dans quelle situation ? Il est dans le moyen astral. Il flotte légèrement. Mmh. Très bien. Et alors, approche-toi. Est-ce que tu peux communiquer avec lui ? Oui. Bien. Alors, tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et qui nous envoie. Oui. Demande-lui s'il veut un coup de main. Oui. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'explorer. Donc, un coup de main, pourquoi pas, pour pouvoir ouvrir d'autres chemins. Très bien. OK. Dans la physicalité, est-ce que tu vois qu'il était le père, donc biologique, de Misa ou pas ? D'un point de vue biologique, oui. D'accord, très bien.
Donc, on va le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Oui. Touché en plein cœur et dans sa conscience, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Il y a un éventail, c'est comme un éventail qui s'ouvre. Mmh. Il y a d'autres, les couleurs sont plus vives. C'est lié aussi à une montée en fréquence. Et il y a plus de possibilités qui s'ouvrent devant lui maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire ? Remonter à la source ou continuer son chemin en toute liberté, souveraineté, sécurité ? Continuer son chemin en toute liberté. Bien. Alors, dis-lui que pour ça, il faut qu'il récupère toutes les énergies laissées sur Terre et qu'il coupe tout ce qu'il y a à couper. Il se libère, il libère tout et tous. Oui. C'est tout fait ? Oui. Est-ce qu'il veut s'exprimer avant de continuer ? Il y a simplement un souffle. C'est comme s'il soufflait, tu sais, comme quand tu envoies un baiser avec une intention. C'est un souffle d'amour universel qu'il envoie. Et il s'en va. Très bien. Eh bien, nous le saluons. Oui. Voilà. Donc, on revient à Misa. Je veux que tu regardes s'il y a des liens toxiques, quels qu'ils soient. Oui. Donc, elle coupe tous les liens et dissout toutes les racines. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il y en a d'autres. En arrière-plan encore. Idem. 1, 2, 3. C'est fait. Est-ce que tu en vois d'autres ? Non. Donc, on va couper tous les liens des noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui est bon pour elle. Donc, on coupe les liens et dissout les racines. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, excuse-moi, juste une chose. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve là aussi que ce qui est utile pour elle. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, des ongles, des cheveux, des cellules, de l'ADN, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Voilà, elle coupe aussi avec le sang stocké quelque part, hein, si c'est le cas. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ses corps, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées ou éclairées. Donc, ça comprend aussi le sang qu'elle a reçu. D'accord ? Mm-hmm. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et comme il y a eu de la magie dans le passé, on va couper avec toute photo, tout support, image, film, etc. D'accord ? Mm-hmm. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. De son espace moronciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double les muscates activés. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro, qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir dès maintenant et toi également, si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien donc avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération.
Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Guérison instantanée, ce qui reste toujours expérimental, bien sûr. Pour chacune des parties concernées qu'il nécessite, elle place sa conscience dans l'espace moronciel. Oui. Et pour chacune, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double lémiscate activée. Oui. Maintenant, elle crée son baume de vie régénérant et elle l'applique partout où c'est nécessaire, à l'intérieur, sur et autour d'elle. C'est fait. Elle peut s'appliquer également comme un lifting. Oui. Bien. Maintenant, tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Nous allons revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Combien est-ce que tu vois d'hélices présentes? Combien sont connectées et activées? Il y en a 6 de connectées et 4 d'activées. Elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également. Dis-moi quelle différence ça fait pour elle. Ça vient structurer son espace énergétique, l'équilibrer et le renforcer. C'est fait. Bien. Elle enroule donc son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Maintenant, j'aimerais que tu me dises combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. Entre 9 et 14 mois. Entre 9 et 14, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Sensation de bien-être, hein, de légèreté, de tranquillité, sérénité. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 14 mois, plus ou moins, suivant son attitude? Oui, comme des retours à l'ancienne situation énergétique. Hein. Pendant ces phases de la métabolisation où l'ancien n'est plus là et le nouveau pas encore complètement installé. Donc il y a le mental ego qui cherche ses repères. Bien, on va lui donner. Donc tu vas dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Oui. Je veux savoir comment elle se sent. Ah là, elle se sent bien, pleine d'énergie, équilibrée. Joyeuse, heureuse, apaisée, tranquille. Qu'elle prenne le temps de le ressentir pleinement et de le savourer, de l'apprécier. Oui. Elle le ramène ici maintenant, comme un téléchargement, son mental égo, son donné mental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, toutes ses parties d'elle. Oui. Pour chacune, ça devient maintenant les nouveaux repères. Ça devient une habitude. Oui. Tu stabilises, sécurises et pérennises. Oui. Voilà. Et de son côté, elle saura que s'il y a des inconforts, elle saura que c'est naturel, c'est le travail qui se fait. Elle restera confiante et pourquoi pas dans la gratitude pour toutes les parties qui font le travail. Bien. Maintenant, je veux que tu regardes son domicile. Comment le vois-tu? Dans lequel? Celui où elle est là. Celui où elle est là, ok. Parce qu'il y en a deux, il y en a aussi un là, c'est ça. On va faire celui-ci ici, et puis l'autre qui est à la Réunion. Guadeloupe. Non, Guadeloupe. Ou on fait celui de la Guadeloupe d'abord. On fait celui de la Guadeloupe et celui d'ici sera fait en même temps par ses parties, par son... On va inviter sa partie subliminale à faire le travail ici, d'accord? Mmh. Puisque celui de la Guadeloupe, c'est son domicile habituel. Hein? Donc tu te connectes à celui de la Guadeloupe. Et on invite sa partie subliminale à faire la même chose ici. Mmh. D'accord. Comment le vois-tu? Il y a des énergies déstabilisantes.
comme s'il y avait des sortes d'ouragans énergétiques sur le lieu. Et ça vient d'où ? De sa situation énergétique antérieure liée à la mémoire du lieu lui-même. Ok. Alors, est-ce que tu vois aussi dans les sous-sols des dysfonctionnements géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres ? Oui, la mémoire du lieu, elle est dans les sous-sols aussi. Très bien. Donc, elle va faire une puissante tornade et elle nettoie tout dans les sous-sols et à l'extérieur, partout, s'il y a du terrain autour également. Tout ce qui fait partie de son habitat. C'est fait. Comment tu vois les sous-sols maintenant ? Clair. Très bien. Elle installe partout donc des fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée, sécurisée. Oui. Elle installe sur le compteur général électrique, on met un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double limiscate activée. Oui. Voilà. Simplement, sur le compteur de là où elle est ici présentement, je veux que tu installes un multicoque parce que c'est un Linky. C'est fait. Voilà. Et pour les deux, donc, également, sa partie subliminale fait le reste. Hein. Donc, on revient sur celui de la Réunion. Guadeloupe, pardon, je confonds toujours les deux. Donc, installation flore de vie, graine de vie et double muscate activée, sécurisée. Oui. Sur tous les plafonds, un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Et en particulier dans sa chambre, qui va produire un puissant effet Niagara, un effet régénérant, rafraîchissant, régénérateur pour le sommeil. Oui. Avec un son et un parfum qui se module et tu sécurises. C'est fait. Bien. Maintenant, elle va remplir tout son espace de sa propre présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle christique, elle également. Et les autres occupants, s'il y en a, s'ils le veulent. Oui. Nous allons programmer donc les protections des différents états de conscience et on sécurise. Oui. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie et dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent et irradient. Et pétillent. Oui. À l'intérieur, sonde élémentale. Oui. Ses bulles de création et ses bulles d'intention, comme une boîte à souhaits, elle y met tout ce qu'elle veut réaliser. Oui. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. Oui. Autour, le corps diamantin de protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. C'est fait. Et nous allons sécuriser toute la phase de métabolisation et toute la séance, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels, quantiques, dans toutes les couches, toutes les boucles, toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et nous allons demander au soi supérieur ce qu'il pense. Non. Avant ça, on va programmer, donc lors de sa désincarnation, quelle que soit sa situation et sa ligne de temps, donc une sécurité lors de sa désincarnation où elle pourra choisir de retourner à la source ou continuer son chemin en toute liberté, sécurité, autonomie. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Et maintenant, on va demander au soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la communication directe, libre et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique incarnée. Est-ce qu'il a des conseils à donner à sa partie physique ? Oui, que la partie physique fasse confiance en ses propres capacités. En ses propres capacités
de centrage et d'alignement qui active cette ligne de communication sécurisée avec le soi supérieur direct. Comment est-ce que tu vois son âme ? Unifiée. Elle est fine, légère, impalpable, apaisée. Et c'est la partie subliminale ? Elle est unifiée, elle aussi, elle s'est énergisée et rapprochée de la partie physique. Et ils en sont supérieurs, tu le vois comment alors ? Il est retourné sur le plan morontiel ? Il est sur le plan morontiel, oui. Réunifié. Très bien. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, et dans cette nouvelle version, donc, de Misa. Ah, je ne me rappelle jamais de son prénom. En ce jour de renaissance pour elle. Oui. Voilà. Est-ce que tout le monde a terminé le travail ? Oui. Alors chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et il s'agit de très hautes fréquences composées de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Connecté au cardiaque, cœur de Gaïa, essence. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, qui était la fréquence donc de Isa, non, c'est pas Isa, c'est Misa. Décidément, qui était la fréquence de Misa avant la séance et qui était à présent ? 32 et maintenant 158. Parfait. Alors chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour ? Oui. Parfait. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou. Comment tu te sens ? Bien. Bon, à nous, tu peux remettre le son. Misa. Ah oui, on sent que ce n'est pas mon nom. Hein. Ah, j'ai du mal c'est avec ça. Ce prénom. Hein. Mais oui, ce n'est pas mon prénom, c'est vrai. Voilà. Ce n'est pas mon vrai prénom. Donc, On l'avait compris. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que... Alors, vous avez été bousculé hein, à un moment donné. Là. Oui, voilà, c'est une séance qui était particulière, oui. C'est vrai. Ah. Désolé, hein. Non, mais c'est le travail, il n'y a pas de souci, hein, c'est bon, il n'y a aucun problème. Parle-nous de toi plutôt de ce que tu as vécu, ressenti, est-ce que ça t'a parlé et tout ? Ah oui, alors là, ça a été, ça me conforte quelque part, c'était dur, mais ça me conforte quelque part parce que on avait l'impression que je racontais n'importe quoi et puis moi-même, je me mettais en doute aussi, je ne comprenais plus rien. Et finalement, ça explique tout, toute ma vie même, exactement. Exactement, oui. Elle me décrivait encore mieux que je puisse l'exprimer. Oui. Ben oui, évidemment. Et puis, j'ai des ressentis depuis au début, surtout quand il y avait la terre, la deuxième terre, là. Et ça travaillait beaucoup dans la tête, je sentais que ça bougeait beaucoup, comme si on découlait quelque chose. Et puis, il y a eu beaucoup de bâillements. Et puis, ça bougeait. Ça bouge, on sent que l'énergie bouge dans le corps. Voilà. Et je me sens déjà... Bon, c'est vrai que quand je fais certains soins, je sens déjà un mieux. Là, je sens déjà un mieux aussi. Et j'ai l'impression que c'est plus dense. Bon, tu as un temps de métabolisation. Là, ce que tu sens, c'est vraiment les prémices. Hein, mais, voilà, oui. Tu as compris qu'il y a un temps de métabolisation. Ce qui compte surtout, c'est que tu le prennes du bon côté, hein, quoi qu'il se passe. D'accord ? Et il y a deux choses qui a été zappées. Est-ce que c'est volontaire ? Comment ? Est-ce que c'est volontaire ? Il y a deux choses qui ont été zappées, qui n'ont pas été dites.
Volontaire, c'était quoi? Ah c'était oui, c'est le vrai. maître spirituel et Ouais, et l'objet. oui, c'est vrai. Ah ben là, c'est assez longue quand même, si tu veux. Donc, on est fatigué, donc, mais Oui, non, non, c'est pas le c'était. plus important. Hein. D'accord. Voilà. Non, voilà. OK. Et Ce puis. qui est important, c'est que l'essentiel soit fait hein, dans ce qui était. Parce qu'il y avait du boulot, hein, il y a vraiment beaucoup de Ah travail. ben, je me suis rendu Hein. compte. Ah, Voilà. oui. Et je vous remercie infiniment de Je t'en ça. prie. Bon, ben, j'espère qu'on aura des nouvelles. Hein. Tu nous diras par mail Oh, comment ça se passe pour toi. oui, D'accord? tout à fait. Je D'accord. te conseille de revoir ta vidéo, c'est très important. Alors, exceptionnellement, on est le 31 décembre, et puis comme elle est très intéressante, ben, je la mettrai dès ce soir. Donc tu l'auras sûrement demain en ligne. Alors D'accord. qu'il y a plus d'un mois de retard sur les vidéos. Hein. Mais bon, comme elle est vraiment intéressante et que bon, on va dire que ça va clôturer l'année, ça me semble intéressant de la mettre ce soir. Ah, il y a deux D'accord? exceptions dans ma séance, alors. C'est exceptionnel. Oui, c'est tombé Voilà. juste pile au jour de mon anniversaire, alors, voilà. Bon, bah D'accord. écoute, on va te souhaiter une très bonne métabolisation. Hein. Donc, on reste en flouté, comme tu as dit. Oui, je D'accord. préfère pour au moins protection pour ma fille, comme on n'est pas sur la même longueur Je d'onde tout à comprends. fait. Voilà. Merci à toi. Et donc, regarde bien ta vidéo, c'est important. Hein. Il y a de l'information, ça stimule les énergies. Donc, chaque fois que tu en as besoin, hop, tu la regardes. D'accord? D'accord. C'est vraiment Merci beaucoup. important. Merci à toi. Merci Merci à Manel. toi, merci Merci à pour le Emmanuel. travail Et dont vous faites. joyeuses Oui. fêtes alors, hein? Joyeux C'est fête à justement vous. demain. Ok. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.